des témoins qui étaient là ont dit avoir vu dans certains cercueils deux ou trois corps tués par le ministère de la Garde. Il y a eu une seule condamnation dans les camps de Bourou, c'est là qu'ils ont tué l'église Ouazalène. On a tué le rapport actuel, ça et trois personnes membres de l'église. Ensuite, vous y ajoutez les non-membres de l'église, ce qui avoisine les 170 personnes. Certains condamnés pour 10 ans, pour 20 ans, et même des condamnations à perpétuité. C'est un crime contre l'humanité. D'autres ont été tués pendant qu'ils respiraient encore dans des véhicules. Donc c'est un crime indescriptible. La justice a clôturé le dossier parce que ça implique les hauts commandements de la garde républicaine. Au procès, et dans ce procès-là, il fallait payer au moins 115 pour 115 personnes, 115 familles. Et donc quand on nous dit que on a enterré seulement 50. Les tombes des frères et des sœurs qui étaient en prière dans une église, ceux qui s'appelaient les Ouazalendo, et qu'on est venu massacrer très tôt matin par la garde républicaine sans cause réelle. Et je ne pouvais pas venir à Goma et quitter Goma sans voir leur tombe, sans compatir avec les malheurs des familles. Et donc c'est pour ça que je suis là. Je suis venu déposer une gerbe de fleurs pour que les familles sachent que nous n'oublierons jamais ceux qui perdent leur vie pour notre nation. Les tombes commencent par ici. Donc, on a... Là, ici, là. 57. 57, ici. Donc, c'est tombe ici. Ici, c'est... Ça, c'est comment? On les a enterrés de nuit. Ici, le carnage du camp. Oui. Le carnage du 30 août de cette année. De... L'église. Le massacre de l'église Ouazalène. On a tué le rapport actuel, ça et trois personnes membres de l'église. Ensuite, vous y ajoutez les non-membres de l'église, ce qui avoisine les 170. On a seulement retrouvé les 57 corps ici, dans certains cercueils qui ont été amenés nuitamment. J'étais là le jour de l'enterrement. Des témoins qui étaient là ont dû avoir vu dans certains cercueils deux ou trois corps tués par le ministère de la Garde républicaine. Il y a eu une seule condamnation dans les camps de Bourou, c'est là un colonel, et il a déjà été amené à Kinshasa. Personne ne connaît à quelle prison il est détenu. Celui qui était commandant des opérations militaires, gouverneur militaire de l'époque, il a été mis à l'écart, il est à Kinshasa dans son camp. Au contraire, ce sont les victimes qui ont été condamnées. Ils sont détenus à la prison. Certains condamnés pour 10 ans, pour 20 ans, et même des condamnations à perpétuité. C'est un crime contre l'humanité. D'autres ont été tués pendant qu'ils respiraient encore dans des véhicules. Donc c'est un crime indescriptible. La justice a clôturé le dossier parce que ça implique les hauts commandements de la garde. Donc nous avons voulu solliciter votre compassion, Monsieur le Président, pour que ces crimes ici ne restent pas impunis. Ils ne restent jamais impunis. Merci beaucoup. Mais donc là, ces tombes attendent aussi d'être fait honorable Kasseko. Oui. Donc ça va rester comme ça ou on va. Bon, l'abbé, il est de l'église.
président Nauliza, Imakaburi, Zitabakia Ivi, voilà, Kouenani, Mouna, Kiri, watu wakufanya nini. Bon, na hii yenye balifanya, baliforce kubifanya, juu hawakubazika mouna. On ne l'a pas interdit selon les rites de la l'église. Et là-bas, c'est vous qui faites ça aussi. Bon, c'est l'un des membres de famille. Et l'église continue? Oui, nous continuons à faire des cultes, mais ce n'est pas l'endroit où on avait retrouvé le tombeau. Oui. Les responsables étaient condamnés à perpétuité. Le pasteur, en fait, ce sont eux qui s'appelaient les véritables Wazalem. Curieusement, aujourd'hui, celui qui les a massacrés se réclame être Wazalem. Des frères et des sœurs qui étaient en prière dans une église, ceux qui s'appelaient les Wazalendo et qu'on est venu massacrer très tôt matin par la garde républicaine sans cause réelle. Et je ne pouvais pas venir à Goma et quitter Goma sans voir leur tombe, sans compatir avec les malheurs des familles. Et donc c'est pour ça que je suis là. Je suis venu déposer une gerbe de fleurs pour que les familles sachent que nous n'oublierons jamais ceux qui perdent leur vie. Et pour dire aussi que ces massacres-là ne resteront jamais impunis. On apprend aujourd'hui que ceux qui ont commis ces crimes sont à Kinshasa, mais les adeptes de l'Église, pour la plupart, sont emprisonnés. Et aussi, les nombres qu'ils ont donnés, ce n'est pas le vrai nombre. Parce que nous savons, l'honorable Kassé Kouah avait assisté, au procès. Et dans ces procès-là, il fallait payer au moins 115 pour 115 personnes, 115 familles. Et donc, quand on nous dit qu'on a entre 5 ou 57 personnes, ce n'est pas vrai. Merci. Donc, Wadi a tué. Wadi a commis un crime contre l'humanité. Quoi qu'il fasse, ça ne restera jamais impuni. Ne les laisserons jamais tranquilles. Tant que justice n'aura jamais été rendue en faveur de toutes ces victimes du massacre du 30 août 2023 de l'église Wazalendo à Goma. C'est un peu là, vraiment tout.